stay fit. Yo tout le monde, ça y est, c'est le retour pour une petite vidéo YouTube. Là, ça va être la bonne petite semaine. Là, il est jeudi matin. Ouais, jeudi matin, on est en Suisse, à Alaya Bay. L'eau est pas trop froide, il y a les petites vagues parfaites, vu que c'est la piscine à vagues. On est avec le team The Roaster, on a fait une session hier soir où c'était grave avec tout le monde. Et là, on va refaire 2 heures de surf, 1 heure sur la gauche, 1 heure sur la droite. Ce soir, il y a la projection au Roaster à Annecy. Les 3-4 jours qui viennent, ils vont être graves. Donc on va bien s'amuser, bien rigoler, et vous allez suivre tout ça et regarde la boutique de ce, la piscine à vagues ou quoi. La double up là. En vrai normalement quand je me fais tatouer, genre un gros tatou, j'attends une bonne semaine avant de surfer et après je ressors. Je fais un peu gaffe, je me magasine et tout. Mais voilà, je me suis tatoué il y a à peu près 4 jours, un bon tatou et comme on est à Alaya, c'est dur de pas surfer quand même. Donc on s'adapte, on fait avec. Hein. Donc un peu de vaseline, un peu de cellophane autour de la cuisse pour protéger, vu que là il est en train de peler, donc il est en train de croûter de ça et tout, pour éviter de l'arracher. Le cellophane pour le protéger, après on passe la combi et on espère que ça marche. Quoi. Fun, la gauche fracassable, la droite fun avec des turns, après on a eu des barrels à la fin. C'est pas hyper gros de ça et tout, mais malgré ça t'as une bonne puissance et t'as une bonne portée sur la vague, donc c'est pas comme l'océan, mais franchement c'est fracassable. Tu peux vraiment t'amuser, de faire des barrels, des turns, des petits airs et tout, donc c'est fun. Et puis regarde, on surfe au milieu des montagnes, au pied, perdu en Suisse. Là on est à Annecy tout à l'heure, c'est pas mal aussi quoi. À la Yabé. Merci. Your fraudulent behavior. You're gonna make me flip and then an army couldn't save you. Why don't you behave, you little rugrat? Take a little tip from the tabloid. Because I know I'm not paranoid. When I say I saw you trying to mock me. When you're cool, stay fit. Bonsoir tout le monde. Bon, tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui sont venus ce soir. J'espère vous passer une bonne soirée. Un grand merci à toute l'équipe du Roaster pour organiser la petite soirée et permettre la projection. Et ce soir, bah, du coup, je vais vous présenter un film sur un trip en Indonésie au mois de juin. Le film s'appelle Wild Dreams, c'est sur un mois mémorable en Indo.
Donc on vous a résumé ça un peu en 28 minutes, j'espère que vous allez kiffer. Ça y est, la petite projection au roster vient d'être faite, il y avait grave de monde, une bonne énergie, une bonne ambiance. Merci à tous d'être venus, c'était top. Le petit roster à Annecy au centre, on s'est fait un bon burger, le petit film derrière, on regarde. Et là du coup on va faire la petite soirée, et demain il y a la deuxième projection, la dernière projection au High Five à midi, et donc à demain. Tu veux faire le sol du roster ou le sol du High Five? Moi honnêtement roster hein, j'ai toujours eu mes chaussures et ça vient juste de commencer. En fait tu vois, tout est dans la nonchalance. Allez, tu vas y va. Genre typiquement... Tu vois, si tu le fais deux fois d'affilée c'est un choc. Ah ouais, bah get away. Deux cheveux. Non, déjà je me suis coupé les cheveux toute seule il y a une semaine, c'est un fiasco. S'il y a quelqu'un qui a un CAP coiffure, je viens. Du coup là, on est à Wind Alps, on va faire une petite dinguerie, on va aller s'envoler vers d'autres cieux. En vrai, on va s'envoler, on va dans un petit tube. Je suis avec l'équipe là, on va mettre la tenue, le casque et on va aller s'envoler pour quelques minutes un peu dans un tube en verre où t'as une soufflerie dessous et ça te propulse vers le haut selon la puissance de l'air. Donc on sera pas tout seul. J'avais fait ça il y a quelques années, il y a un ou deux ans. Ceux qui suivent sur la chaîne ils doivent s'en rappeler. Mais voilà, écoute, ça fait deux ans que j'ai pas volé, ça va être sympa, un peu la pression mais ça va être fun. Allez go. Ouais, t'as vu comment ils sortent? Ouais. Ça veut dire lever la tête, parce que la position naturelle de votre tête, quand vous êtes à plat ventre, c'est de regarder par terre. Du coup, on la relève un petit peu, et on regarde toujours droit devant soi. Les deux autres signes, ça concerne vos jambes. Celui-là, ce sera pour les allonger. Voilà. Au contraire, celui-là, ce sera pour les fléchir. La position par défaut des jambes, c'est allongé et décontracté. Il n'y a pas besoin de gainer les cuisses. Ah ouais, j'ai les oreilles. Yes. Ouais, juste. Ah.
Il monte. Oh celui-là, celui à Bayern, il était un poil c'est moins bien. Là. De la bombe. Ouais, c'est lui le barrel. Bien tenté. Non, c'était cool. Franchement. Ça va, merci. Ah ouais, c'était cool. Engagé. Je me suis dit, là, c'est bon, je vais tenter, c'est le moment, je pense. Mais écoute, t'as encore des bons restes de ce que t'avais fait avant. Quelques-uns, ouais, ça va. Bah, c'est cool en vrai, ça. Franchement, c'est fun. Hein. Yes, dès que tu captes un peu la portée et juste d'être soit souple, pas de rêve, ouais. Après ça déroule. Quoi. Ouais, je suis cool. Les gars, salut. Puis, ouais, merci, Ben, à me passer le bonjour. Merci, ben. Ouais. Alors, ce soir, on est à la soirée roster avec mon cher Kylian. Mon camarade de soirée et on va leur montrer comment on fait la fête. Hein? Full speed. Full speed. Full speed. Pour finir cette petite semaine royale, quoi de mieux que de dormir dans un endroit royal. Donc là, on est à la petite suite impériale The Roster. Plutôt bien pour le week-end. On a fait toutes nos petites activités, le surf, les projections, la soufflerie, tout ça. Et maintenant, ben, c'est le début du Hi-Fi Festival, donc on va profiter du week-end. Alors c'est parti pour bien finir le séjour. Tu manges pas tes burgers en tête des noirs toi?